16, verset 6 à 16. Genèse chapitre 16, verset 6 jusqu'à 16. Abraham répond à Sarai, lui dit, servant tout court, lui sous-ordre, ou qui doit faire ça, ou lui avec. C'est comme ça que Sarai a maltraité Agar si tellement Agar obligé de sauver qui te crée la boule. Zanjseye a contré Agar pour un souffle dans le désert qui menait dans le pays chaud là. Lui dit comme ça. Agar, servant Sarai, côté où sorti là, côté où calé. Agar répond. Ma cour pour Sarai, maîtresse moi. Zanjseye a dit. Tournez la caille maîtresse, soumettez des familles. Zanjan dit encore, ma parole en pile petite petite, vous ne pouvez pas compter. Zanjan dit encore, gare, ou enceinte, ou pral fait un petit garçon, ou arrêté Ismaël, parce que le Seigneur attendait relou dans le travail ou à passer. Petit garçon là, va t'en couillon bourrique maou. L'a cherché tout le monde compte. Tout le monde va chercher le compte. Il n'est pas mêlé à tout frère. La vie pour compte. Agar dit dans quel, ou quoi c'est vrai, moi qui ouais blanc. C'est comme ça qu'il va essayer à un nom, il est ou c'est bon dit qui ouais blanc. C'est peut-être ça, il y aurait les pitres qui en cadès avec barrette là, puis le monde qui vivant qui ouais blanc. Agar fait un petit garçon pour Abraham. Abraham est le petit là, Ismaël. Abraham a 86 ans, les Agar a fait Ismaël. How will you do? Merci, merci. This is a polo shirt that the church has. Not necessarily. If indeed you would like to have one, all right, contact Sister Monique and Sir Fidney, that's all. All right, I like a lot of it is great to worship the Lord. Adoration, toutes ces boules. Donc, depuis notre commencement année, on a considéré le même thème. Connaître Dieu par son nom. Comprendre sa majesté, son caractère et son amour. Knowing God by name, understanding His majesty, understanding His character, understanding His love. We learn that God has many names. Bon Dieu qui n'a pas servi, il y a un pile nom, un paquet de nom. Bon Dieu qui a un pile nom. Et raison qui fait que bon Dieu lui-même, il y a un pile nom, parce qu'un seul nom, un pape Jean capable de capturer toute grandeur. Yon seul nom n'est pas capable de capturer toute majesté, tout l'amour que mon Dieu lui-même vient pour nous. Donc par conséquent, pour lui révéler tête à nous-mêmes, lui obliger à utiliser plusieurs noms à travers plusieurs contextes. Et circonstances pour moi-même avec vous, capable d'y avoir aperçu de grandeur, de majesté, de caractère, de amour que vient pour nous. Our God is so great that one name cannot accurately display all of His majesty, all of His character, all of His love. And as we've been saying for the last few months, God has a name for every single situation. Et c'est ça que nous apprenons dans Proverbe chapitre 18, verset 10, qui dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Et se trouve en sûreté. The name of the Lord is a fortified tower. The righteous just run to it and they are safe. La vie a Max Chabio, trois manou. Sous pas connaît que non Seigneur, c'est un tout fort que lié, ou a un gros problème. Parce que dans un moment difficile, ou a sans refuge, ou a sans protection. Bon Dieu qui n'a pas servi à dire un nom pour toute situation. So, we must know Him by name in order to understand His majesty, in order to understand and appreciate His character and His love.
Dans moi avant, nous avons déjà connu mon Dieu comme Elohim, le Dieu créateur, le Créateur. Nous avons déjà connu mon Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Nous avons déjà appris non ça, Yahweh Jireh, ou bien Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Bon Dieu qui fait toute qualité de provision pour tout petit pays. He is the God who always provides for all of us. Et le mois dernier, nous avons introduit nous avec l'autre nom ça. Nous avons analysé l'autre nom, Elroy, le Dieu qui me voit. Bon Dieu qui toujours web dans un moment difficile. And this morning, we will continue to know and understand and appreciate Him as Elroy, the God who always sees us in the midst of all of our troubles, in the midst of all of our difficulties. Comme l'Écriture a déjà fait, simplement ouvrez la Bible avec moi dans Genèse chapitre 16, versets 6 à 16. Nous avons compris, mois dernier, que nous avons retiré quatre principes dans le texte. Le premier principe, là, nous avons Agar, la servante comme victime de circonstances, selon verset 6. Et nous avons commencé à voir tout. Deuxième principe, là, c'est que nous avons recherche divine et aussi une arrestation divine, selon verset 7 à verset 9. Donc, nous allons continuer. Et nous allons aujourd'hui aussi une révélation divine, selon verset 10, verset 11 et verset 12. Et quatrièmement, nous allons voir une réponse fidèle à toute bénédiction que mon Dieu fait à nous-mêmes. Une réponse fidèle, selon verset 13 à verset 16. Et nous allons voir un petit coup de prévision dans verset 6 là qui dit: Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Nous apprenons que Jean que Moïse, à travers la Bible, introduit nous verset 6 là. Il présente nous verset 6 là comme Agar, c'est une victime de circonstances. Il était victime de deux mondes. Premièrement, il est victime d'Abraham et aussi Sarah. Saraï. Et lorsque nous voyons verset 3, nous voyons que Saraï te dit Abraham pour Abraham prend Agar comme madame. Pour qui raison? Parce qu'il n'est pas capable de tendre la promesse que mon Dieu a fait à lui-même. Et nous avons réalisé qu'il y a un parallèle qui existait entre l'événement qui est arrivé dans le jardin d'Éden, la chute de l'homme, avec l'événement que nous voyons déroulé dans chapitre 16 là. Pendant tous les deux messieurs ça, pendant tous les deux messieurs dans ça, vous comprenez, ils ont agi contre la volonté de Dieu. Et nous voyons Agar comme victime. Et par ça, je dis nous, Agar est enceinte. Et il commence à faire boire la carrière, il commence à comprendre, ironiser Saraï. Et Saraï n'est pas content. Selon verset 5, Paola dit nous que. Il regardait Saraï avec mépris. Par conséquent, Saraï fait, Jean que le connaît, il mettait Agar, quote unquote, dans place. Il mettait dans le rôle. Et selon verset 6, nous déjà, ouais, et nous, le résultat dans verset 7 là, ça Agar fait, il courit la misère. Sarah tellement maltraité Agar, il n'y a aucun autre bagage pour le faire, il prend la fille. Dans le texte là, Agar représentait tout le monde qui trouvait victime de circonstances. Victime de monde qui a autorité sur vie. Et même Jean avec Agar, nous avons ouais, moi dernier. Il y a plusieurs dans nous qui sont victimes de situation de la vie. Il y a dans nous qui sont victimes de crise financière, victimes du chômage, victimes de problèmes familiales. Victime de mauvaises relations conjugales, victime de relations, situations personnelles dans le mariage et victime de maladie. Mais dans qui n'importe situation qui a fracassé au matin en fait, nous voulons qu'on ait que mon Dieu qui l'a servi, c'est Elroy. Il y a tout bagage, la prenote. Et il y a un plan pour être capable de délivrer
C'est ça que nous dit moi dernier. Et nous dit une recherche divine qui va conduire à une arrestation divine. A divine search that leads to a divine arrest. Verset 9, l'ange l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Parfois, bon Dieu voulait pour nous retourner dans une situation difficile. Et même Jean avec Agar l'a commandé nous pour nous retourner et humilier nous, soumettre nous. Et lorsque nous regardons à travers la Bible, nous sommes dans 1 Pierre, c'est un livre qui parle de soumission à l'autorité dans le moment des preuves. Les chrétiens que Pierre a laissé, ils ont souffert. Quelques-uns ont vécu comme esclaves. Quelques-uns, mesdames, ont souffert de désobéissance. Quelques maris qui pas même converti. Et ils ont toute la vie comme citoyen de un gouvernement qui est méchant. À chaque jour, ça, Pierre adressé avec même parole là. Soyez soumis. On nous lit avec moi, tous les bibles avec moi. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. 1 Pierre chapitre 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Parole de Dieu dit, moi avec nous, nous devons soumettre nous en bas autorité que mon Dieu lui-même est déjà établi. Et puis encore dans verset 18, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 18, il dit, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Bon Dieu dit, soumettez-nous en bas autorité que lui-même est établi. Même lorsque mettre ça, il est difficile, responsabilité moi-même avec vous, c'est pour nous capables de soumettre nous en bas autorité. 1 Pierre chapitre 3, verset 1er. Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Et là encore, nous jouons une même expression. Nous devons soumettre nous. Et chaque fois, verset 1er, ça son cas, il dit que mesdames, madame, soumettez-nous en bas autorité, marie-nous. Et quand ça, c'est quand, côté même mari, a pas même converti, la Bible dit, par façon que vous réagissez, par action ou peut-être, bon Dieu est capable de mes yeux pour être capable de venir à la merveilleuse lumière. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, dans tous les trois cas, ça, bon Dieu pas demandé pour nous courir situation difficile, mais au contraire, qui ça demandé pour nous faire pour nous capables de soumettre en bas autorité déjà établie. À trois différentes catégories de monde, à trois types de scénarios, commandant toujours été même soumettre en bas autorité que bon Dieu lui-même lui déjà établi. Gena nous m'a déclaré pasteur, c'est qu'on est pas qu'on est qui problème à rencontrer la paix. Gena nous m'a déclaré, c'est qu'on est pas qu'on est qui calvaire m'a monté la caille là. Gena nous m'a dit, c'est qu'on nous pas qu'on est qui sort de mari que m'gagne, qui sort de madame que m'gagne. Réponse en même calvaire soumettre. Bon Dieu a pris note. Bon Dieu qui n'a servi à lui toute situation honnête. Et il y a un plan pour chaque situation. Ça yo. C'est pour raison ça, il déclarait avec Agar, Agar, retournez à le soumettre. L'important pour nous-mêmes, pour comprendre que les paroles, ça yo, nous joignent. Yo. Dans un livre qui est écrit dans une époque de tribulation atroce, chrétiens, ils ont persécuté à cause de foi en Christ. Mais malgré ça, bon Dieu dit, soumettez-nous à l'autorité déjà établie. Il y a des gens qui souffrent comme esclaves en bas de maître qui dure, mais quand même la Bible dit soumettre-nous.
Gen la dan yo tap soufri kom madame en bas de mari désobéissant. Mais parole là toujours, comprendre même parole là, soumettre nous en bas autorité que mon Dieu déjà établi. Pendant que je parle là, je suspecte que je suis obligé d'ouvrir une parenthèse et fermer les liens vite. Nous allons parler de cas extraordinaires. Un cas à côté la vie d'une madame en danger. Cas comprendre côté la vie d'un petit monde en danger. Cas à côté la vie d'un monde en danger. Ce n'est pas cas à eux que nous parlons, parce que cas à eux, comprendre extraordinaire. Ils sont en barricade de. Quand qui n'a pas les matins. Si Kassa t'a présenté, côté la vie au monde en danger, frère Maxime, c'est pas Kassa qui n'a pas les. Parce que la Bible déjà déclaré, bon Dieu établit autorité pour régler avec Kassa. Est-ce que nous avec nos frères Maxime? Est-ce que nous comprenons? Nous sommes dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 13, soyez soumis à cause du Seigneur. À toute autorité établie parmi les hommes. Si la vie est en danger, autorité que mon Dieu déjà établie, c'est responsabilité pour y rentrer dans cette situation. Ce n'est pas de cas à l'heure parce que le cas à l'heure est extraordinaire, il dépasse les bornes. Si la vie est en danger, si la vie dit mon en danger, ça a son cas qui est complètement différent. Mais dans tout l'autre cas, yo, frère Maxime, bon Dieu m'a demandé pour nous capables de soumettre nous. En nous lit 1 Pierre chapitre 5, verset 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Parce que lorsque vous soumettez en bas autorité ça yo, dans moment difficile ça yo, que nous devons connaître que c'est mon Dieu même qui est en contrôle, par conséquent, moi-même, avec vous devez humilier nous sous sa puissante main. Là, prend soin. Là, prend soin. Donc, dans le mariage difficile, yo, pas courir dans la fuite, frère Maxime. Faire mon Dieu confiance. Humilier, la prince. Bagaille, vous n'êtes pas capable de prêter comme ça, faut que vous changez. Vous n'êtes pas capable de prêter dans le même état. Bon Dieu a changé la situation. Dans le moment difficile, bon Dieu a gagné un plan. Et le passage a déjà fait nous connaître l'objectif, bon Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon Dieu, bon plan pour capable d'élever. Mais au temps convenable. Don't rush. He has a plan for you. A plan to raise you up. A plan to exalt you. This plan will be executed at the proper time. Be patient. Be humble. At the proper time, you will be exalted. Because he is the God who sees you. He sees your pain. He sees your heartaches. He sees your suffering. He sees you in the desert. He wants you to learn obedience and humility. And once that objective has been learned, brothers and sisters, he will exalt you at the proper time. C'est ça la Bible dit. Apprendre le son bien. Gain un objectif derrière ça. Bon Dieu, bon plan. Ou livrer le véo en dignité. Ou pas capable de toujours être souvent l'école là, année après année. Dieu un jour pour graduer quand même. Mais avant de graduer, il faut apprendre le son que maître a voulu enseigner là. Le son, c'est l'humilité. Relax, calmez-vous. Fais mon Dieu confiance. Obéis. Parce que la boue, la regarder, la prendre note, l'étendre. Bon moment pour capable de graduer. Do not rush God. God cannot be rushed. He wants to elevate you. But he wants you to learn the important lessons of humility. The lesson of submission. For some of you, it is in your relationship with your spouse. Others, your relationship with your boss. Some young people, your relationship with your parents.
Whatever your situation, the lessons are the same. Submission and humility. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you at the proper time, casting all your anxieties upon him. And the text says, because he cares for you. Nous réalisons ça que bon Dieu comprend la prend soin. Li remè ou. La prend soin ou. Il y a quelques leçons que nature rebelle nous. Pas capable d'apprendre aucune autre façon. Seule façon que nous sommes capables d'apprendre leçon importante ça, c'est lorsque nous sommes avec vous. Nous soumettons nous. Et bon Dieu lui-même, il prend élever nous. Nous ne sommes pas capables de grandir spirituellement parce que nous avons l'habitude à fuir les situations difficiles. Mais bon Dieu, placez-vous là pour être capable de former. Même raison que l'a arrêté à garder les ailes, la vie à garder, retournez à le soumettre. Retournez. There are some young people who are having issues with their parents and they just want to leave. Don't leave because God has placed you there for a particular reason. You are born into this family, not by mistake, but God has sovereignly placed you there in that particular family for a good reason. Remain there because God has a plan to bless you. There are employees who want to quit their job just because it is difficult. Don't leave because God has placed you there for a particular reason. You are not hired by mistake. God has sovereignly placed you there for a particular reason. Remain there until he tells you it's time to go. There are church members who want to leave your church simply because they just do not like the way things are. Don't leave because God has placed you there for a particular reason. You're not there by mistake. God has sovereignly placed you there to be a part of this church for a particular reason. Remain there until God himself tells you it is time to leave. As a matter of fact, there are no perfect churches. Pas une église parfaite. Seule congrégation parfaite, c'est lorsque nous vivons dans le ciel. Quittez ça pour raison ça. Allons l'autre, nous avons l'autre problème. God wants you to be here. Épreuve agit comme plus grand professeur que nous capables de gagner. Parce que vous enseignez nous à faire mon Dieu confiance. Donc c'est pour raison que la parole a dit, humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On nous examine les deux impératifs. Humiliez-vous, descendez-vous, calmez-vous. Lorsqu'on fait ça, ça démontre que c'est mon Dieu même que vous connaissez à contrôler l'événement. Il est Elroy, le Dieu qui te voit. Il voit toute souffrance, tout problème, dans les temps des airs là. Il voit tout. Et là, pour prêter attention, il y a une attention soutenue à vous tous. Et texte a qualifié comme maintenant, il dit, pour nous humilier nous, sous la puissante main de Dieu. Qu'on ait que mon Dieu une puissance pour le capable de changer la situation. Il n'y a pas tant pour faux Dieu qui n'a pas des oreilles, qui n'est pas capable de tendre. Il n'y a pas tant pour faux Dieu qui a des yeux, qui n'est pas capable de voir. Il n'y a pas tant pour faux Dieu qui a des mains, mais qui n'est pas capable d'agir. Il y a un bon Dieu qui a servi après ma chère. Il y a un pouvoir pour capable d'agir en faveur. Mais dans le temps convenable là. S'il n'est pas côté libre, c'est parce que, comprenez, il y a un autre plan pour vous. Peut-être plan, c'est pour capable d'apprendre la soumission, hein? L'obéissance, humilité. Deuxième impératif là que je vous dis, déchargez-vous. C'est tant que vous avez un camion qui a côté en charge, comprenez, et puis arrivez dans la station, puis déchargez tout le bagage et puis la retourner à vide. Est-ce que nous comprenons? Déchargez-vous. Et pas ça, ça fait pour connaître que lorsqu'on a des problèmes, calamité, non, vie, ça, ça, on doit faire, c'est déchargez-vous. Non, mais dans le problème, yo, déchargez-vous. Alors, pour le Seigneur, dit Seigneur, même ça m'a enduré, et pas retourner, sans qu'on ne déchargez-vous. Donc, on va changer.
Parfois, ça m'a fait pour faire. Dans le côté Seigneur, avec toute charge, nous pas décharger, nous nous retourner avec nous encore. Mais pas sans dire, décharger. Tout problème pour aventurer, à le côté l'Éternel, décharger et retourner en vide. Parce que l'idée pouvoir, vous n'avez pas construit. Lui, c'est mon Dieu qui est là. Dans une situation difficile, lui, est dans chaque problème qu'on va confronter, frère Maxime, yo, li well, a déchargé. Chaque jour, chaque moment, chaque instant, pas quitter la vie à ce sous toi. Déchargé. Stop carrying your own baggage. He cares for you. C'est un coup, mon Dieu, qu'on prenne à faire mon ralaga. Il dit, est-ce qu'on pas connaît que dans le moment où tu as malgré là, moi t'es là, moi t'es ouais, moi t'es tendu, et mon capable d'agir? Déchargez au frère Maxime, yo. Tout malgré dans le Sahara, yo. Mon Dieu dit, aga, moi, ouais, yo. Chaque maltraitance que vous recevez dans mes sagas, vous êtes capable de décharger, oui, regarde. You see, that is the secret of a content life. La vie a maltraité, humilié, en bas de la puissance Seigneur, et à décharger. Vous ne pouvez pas retraiter, comprendre, bagaille, vous ne pouvez pas traiter comme ça. Vous n'êtes pas capable de traiter comme ça. Parce que vous, mon Dieu, t'a pris une note. Faites confiance. Toute tête chargée, toute calamité, toute race, toute mauvaise nouvelle, toute haine, toute parler mal, toute hypocrisie, tout mensonge, tout complot, toute maladie, tout l'amour, tout ça les hommes capables de faire. Mon Dieu dit moi là, viens décharger. Et bien pouvoir pour me capable de changer la situation. Il dit c'est moi-même qui ai un gros point là. C'est moi-même qui ai une COVID là, pour me décharger au sous-moi. Je m'apprends tout. Il dit, Aga, apprends à faire confiance. Moi, j'ai un plan pour vous. Mais pour que vous capable d'exécuter, il faut être capable d'apprendre à faire confiance. Retournez pas à la bonne leçon. Pour capable de passer l'étape ça, vous obligez à apprendre à faire confiance dans le moment difficile. Retournez. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi sous sa main. Bien que mon retourner en paraît difficile, mais bon Dieu m'a dit non, nous capable de faire à cause de miséricorde. À cause de miséricorde, il m'a prédit ça encore. À cause de miséricorde, parfois, mon Dieu traite nous avec miséricorde. C'est nous capable d'empêcher nous subir des dommages qui plus grands. Toujours. Parce que la voie de l'obéissance est difficile, mais la voie de désobéissance est encore plus difficile. Les plus bons pour Agar capable d'associer avec Abraham, avec Saraï. Même avec la dureté de Sarah, au lieu pour l'associer avec les Égyptiens qui ne connaissent même pas l'Éternel des armées, préférez Agar rester associé avec Abraham et Sarah parce que y a des craintes pour l'Éternel. Au lieu pour l'associer avec les Égyptiens qui adorent faux Dieu. Donc mon Dieu est obligé d'aller bien loin dans le désert, à arrêter Agar, il dit Agar, retournez dans le moment difficile là. Et mon Dieu fait ça, fait action, c'est à cause de miséricorde, à cause de l'amour, à cause de grâce. Lorsqu'on va bien comprendre ça, on va dire comprendre mon Dieu méchant. Lorsque mon Dieu a dit nous retournez, n'a pas pensé que c'est méchant, mon Dieu méchant, bien comprendre que le pas comprendre la situation, mais il connaît toute bagaille, frère Maxime. Il y a une raison pour ça. Qui n'est pas de gens, ça, il est préféré que moi rester dans l'église locale, moi, avec frères et sœurs, malgré le pas parfait, au lieu pour m'en associer moi avec des inconvertis. I'd rather be associated with the people of God.
with all their imperfections than to be associated with the world. Préférez que moi mette ma connaît avec même l'église là au lieu mal ma connaît avec des inconvertis. Bon Dieu mon plan, frère Maxime. Bon Dieu mon plan. Marie, bon Dieu Baroua. Madame, bon Dieu Baroua, bon Dieu mon plan. Ouvrez qui t'aime. Bon l'autre danger qui pille loin toujours. Que bon Dieu déjà connaît. Young people, you think your home is bad? Have you ever been homeless? God has a plan. Humble yourself. He has things under control. Just learn your lessons. And at the proper time, He will elevate you. Parce que ouais tout bagaille. Il ouais tout bagaille. God sometimes stops us in our disobedience to prevent us from even a greater harm. It's hard. Yes, I know it's hard. But the way of disobedience is even harder. Again, it was better for Hagar to be associated with Abram, even with Sarah's cruelty, than to be associated with the Egyptians who worship false gods. It's better for you to be in a local church with all the imperfect people and all their issues than to be associated with the world where God is not even known. Retournez. Humiliez-vous. Soumettez-vous. Calmez-vous. Bon Dieu la prend note. Parce que c'est bon Dieu qui ouais, qui toujours ouais. Qui mène nous à troisième point, nous faisons action. Révélation divine. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Agar, la servante, à cause de l'obéissance qui est à l'Éternel, nous voyons que c'est lui-même qui est la première femme à recevoir une déclaration comme ça. Une annonce de naissance, premier fille dans la Bible. Agar, la servante, esclave, une égyptienne. Agar recevait une annonce spéciale pour ça avant Sarah. C'est annonce Agar qui va faire route pour tout l'autre. Ni pour Sarah, ni pour Rebecca, maman Isa, pour madame Manoir, maman Samson, pour Anne, maman Samuel, pour Elisabeth, maman Jean-Baptiste, et même Marie. Que nous bon Dieu pas utiliser pour le moment petit à Jésus. Première femme, pour recevoir une promesse comme ça, directement de l'Éternel des armées. Pour qui raison? Parce que je choisis pour capable d'obéir. Gain obéissance. Gain bénédiction. Non, obéissance. Lorsque nous obéissons l'Éternel des armées, libérez-nous. Yon servant, yon esclave. Pour mon Dieu, pas le bénir comme ça. Il dit, humiliez-vous et soumis-vous avant que vous soyez capable de bénir. There's a cause and effect here. And the order is extremely important. Parfois, on a demandé pour mon Dieu de bénir nous afin que nous soyons capables d'obéir. Mon Dieu dit, non. Obéis d'abord. Après, ça va bénir. Retournez dans le moment difficile. Dans le contexte difficile, dans la localité difficile, retournez. Et après ça, ma béni. Parce que le son est important. Si je m'élève, avant l'heure, je suis orgueilleux. Est-ce que nous avons un monde qui a trop de responsabilités avant l'heure? Il y a une arrogance.
Yo vin arrogant. Yo vin orgueilleux. Pour qui raison? Parce que yo pas trop prêt pour yo recevoir responsabilité ça. Ça t'a privé. Si mon Dieu était, comprends? Si mon Dieu était béni Agar pendant que t'as méprisé ça là. Yeah, so some people are asking God, God, promote me in my job. Promote me. I need a promotion. But God is saying, wait. There are some character issues that we need to take care of first. There are people asking, you know, I want to lead this ministry. But God says, wait. There are certain character flaws that must be taken care of first. There are some kids who are asking their parents for even greater responsibilities. But God is saying, no, you're not ready yet. There are some important lessons that you must first learn. Parce que si vous ne pouvez pas prendre responsabilité avant de faire un vieux, prenez vos déblosages. Parce que pas après, moi je dis ça, retournez. Apprendre à soumettre d'abord. Et qu'on est lorsqu'on soumet tout en bas, Sarahi, c'est en bas, on soumet. C'est moi-même qu'on a eu. Qui est madame? Lorsque, c'est pour raison ça que la Bible toujours qualifié. La Bible dit soumet tout. Même Jean qui a fait ça, oh Seigneur. Ce n'est pas Marie qui a mérité ça, non. Ce n'est pas madame qui a mérité ça, non. Mais lorsqu'on fait ça, pour que vous suivez mon Dieu, pour honorer l'Éternel des armées, et puis que mon Dieu est content qu'il s'en fait, il bénit où? Parce que c'est l'Éternel qui voit toute bagaille. Il voit dans le secret, il voit cœur, il voit nommou, il connaît exactement qui côté que vous êtes dans la vie. Il dit, Agar, retournez. À l'apprendre soumettre tout d'abord. À l'apprendre humilité d'abord. Et après ça, ma béni. Et mes bénédictions, l'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Oh, une servante? Non, oui. Yon esclave, yon just come, étrangère. Rete dans l'obéissance pour mon Dieu capable de bénir. Seule femme qui recevra telle promesse, postérité aura si nombreuse que moun pas capable de compter. Patriarche de recevoir même promesse ça. Six fois, mon Dieu déclaré promesse ça avec Abraham. Yon fois avec Isaac et yon fois avec Jacob. Et même promesse ça, mon Dieu fait avec Agar. Simplement parce que d'accord. Pour lui capable de faire ça, mon Dieu m'a demandé pour le faire. Malgré les difficiles. You see, God asks us sometimes to do things that are very difficult. Very, very difficult. Sometimes they go against our own character, our personality. Trust me, I know. Il y a un travail que mon Dieu m'a demandé pour faire de personnalité. Pas. C'est pas ça que tu as choisi de faire. Paraît difficile, mais si c'est l'Éternel qui m'a demandé de faire, vous obligez de faire quand même. Parfois, mon Dieu m'a demandé pour faire un U-turn, un demi-tour. Qui est complètement différent de plan personnel pour gagner. Mais malgré le difficile, malgré les sacrifices que vous faites, mais vous êtes obligé de faire quand même, parce que c'est mon Dieu qui m'a béni. Et songez que mon Dieu a béni pour ça. Agar, comme on dit, c'est la seule femme qui recevra telle promesse. Et mon Dieu honoré obéissance à Agar. Mon Dieu honoré Agar. La servante,
Et bon Dieu fait un autre promesse dans verset 11 là, avec un oracle dans verset 12 là. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vous pouvez faire un petit garçon, on va arriver d'Ismaël. Pour qui raison? Parce que l'Éternel t'étendait lorsque vous êtes dans l'affliction, lorsque ça n'a pas de bon pour vous, mon Dieu t'étendait. Petit ça après mon témoignage pour toute les îles, Agar. Pour qu'on connaisse que mon Dieu, non seulement lui c'est mon Dieu qui voit, mais aussi lui c'est mon Dieu qui t'endait. Bon Dieu tendez, bon Dieu, ouais, frère Maxime, yo. Bon Dieu, comment il compte faire intervention à chaque fois qu'on va se faire nos petites arts, on va songer. Qui monte que moi, non seulement que c'est bon Dieu qui ouais, mais aussi moi, c'est bon Dieu qui tendez. The Lord says that he had heard Agar's affliction. L'important pour capable noter ça, frère Maxime, yo. Bon Dieu pas déclarer que t'étendez. Ouais. Et il n'a pas déclaré que tu étendais prière à Agar. Mais il dit qu'il t'étendais Agar lorsque tu es dans l'affliction. Nous voulons faire connaître que peut-être, passage à Badi, ça, mais peut-être, Agar pas même, tu es capable de prier même. Parce que passage à Badi, que Agar, mon Dieu, t'étendais prière à Agar. C'est pas ça dit. Il simplement dit, bon Dieu, t'étendais Agar lorsque tu es dans l'affliction. Peut-être Agar pas même tu es capable de prier. Ou quand tu es dans cette situation que tu es, bagarre tellement trop pour, il est tellement atroce, mais ouvert ou pas capable de ouvrir bouche, capable de prier. C'est plein de voix plein. Bon Dieu dit, moi t'étendais ça tout. Moi t'étendais l'affliction. Moi t'étendais, vous prenez plein de voix. La prière, c'est un acte de confiance que Dieu. Nous pas prier pour mon Dieu capable de tendre nous, mais nous prier pour être nous capable de confesser que nous croyons que mon Dieu est capable de délivrer nous. Il y a des chrétiens qui pensent que lorsque vous priez, c'est mon Dieu qui a fait faveur. C'est pour raison ça, vous obligez à supplier, vous comprenez, nous prier. Viens prier parce que vous pensez, lorsque vous priez, c'est bon Dieu qui a fait faveur. Prier, c'est pour vous qui priez. Lorsque vous priez, vous ne vous sentez pas mieux. Parce que vous déchargez. Vous soulagez. Vous venez en soulagement. Mon Dieu dit, même lorsque vous ne vous ouvrez pas pour formellement prier, vous entendez dans l'affliction. C'est pour raison ça, l'apôtre Paul dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs inexprimables. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Mon Dieu t'étendait dans l'affliction. Whether Hagar was calling out to the Lord or not, we don't know. But the Lord graciously heard her, even in her affliction. Even when we fail to call out to the Lord, even when we cannot, he still hears. L'étendez affliction, yo. L'étendez. Dans l'affliction, yo, mon Dieu, étendez. Et selon verset 12, il déclarait à Agar, avenir petit là. Non seulement mon Dieu t'étendez, mais il parle pour l'autre gars, il dit, bon, avant de mourir, ma foi connaît qui sont deux mondes de loi. Selon verset 12 là. Wow. Et moi, je voulais encore référer avec Chansard. Yon seul bagaille, moi, mon info, ça a changé. Pas découragé, toujours pas prié. Parce que bagaille, yon pas prêté comme ça. Li pas prêté comme ça. Faut que ça a changé. Parce que mon Dieu, nous, moi, li contente nous dans l'affliction, nous, yo. Problème qu'a cassé là, bon Dieu, mon tendez, aux difficultés dans le mariage, yo, bon Dieu tendez, on a affliction, yo. Job capillito là, bon Dieu tendez, pas découragé. Romains chapitre 8, verset 18 dit, j'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souffrance à l'envers de ma famille, pas rien, non, comparé avec gloire que mon Dieu réserve pour nous. Yo, pas rien, yo, temporaire. Young people, you won't remain young forever. Enjoy this time. It's temporary. Stay in your mom's, in your dad's home. Rejoice. Enjoy yourselves. You're just going to blink. And you're going to be an adult. Enjoy this time. Don't rush it. See, there's an application here for us. God allows U-turns, even in the desert. Bon Dieu autorise des mitons, nous y offre action, même lorsque nous n'avons pas des désirs. Il y en a nous qui n'avons des désirs là, mais nous contemplons pour nous craser. Bon Dieu dit, retournez. Retez côté bon Dieu basso, la soumettre au milieu et la élever dans un moment convenable. Bien vite. Quatrième, réponse fidèle aux bénédictions de Dieu. Verset 13, 14, 15, 16. Elle appela à Taïroï le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, elle vient vu ici, après qu'il m'a vu. C'est pourquoi on l'a appelé ce puits, le puits de Lakaïroï, qui entre Kadès et Barè. Notez un privilège encore, une autre bénédiction de obéissance. Lorsqu'on réalise que l'Éternel fait grâce, lui, ouais, on a affliction, qui sont en bonne détermination pour capable glorifier. Ou bonne détermination pour capable de gloire. Agar, la servante, fait une déclaration que Sarah n'est pas même capable de faire, peut-être pas le moment ça. Lorsque vous expérimentez mon Dieu dans l'autre dimension, faire action mieux, vous obligez la gloire. Oui. Qui monde dans la Bible qui fait expérience qui a fait? Pas tellement dans la Bible, non? Moïse, Élie, Jacob, qui ont dit clé d'œil de gloire et majesté, mon Dieu. A dit, moi, où est l'Éternel? La Bible déjà dit que pas de monde capable de vivre, on dit, oh ouais, l'Éternel, mais simplement, ouais, un petit clin d'œil, dans le nom d'un Seigneur. Et puis, il parle que non, il dit, c'est l'Éternel qui est ouais maintenant. Chaque monde qui passe devant lui, ça, comprends, il a glorifié l'Éternel des armées. À cause de travail, Agar. Premier grand thème que nous jouons dans le passage là, déclarer que mon Dieu est Agar. Mais deuxième grand thème, non, fait nous connaître que Agar lui-même, il a aperçu la gloire de l'Éternel, la majesté de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel. Et il témoigne la grandeur de l'Éternel. Il y a une réponse qui est appropriée. C'est pour raison ça que nous dit, il y a un chrétien qui connaît ça, mon Dieu fait pour lui, pas prêter bouche bée. Chaque jour du lever, il est obligé à continuellement prendre des actions de grâce à l'Éternel, parce que lui connaît exactement que l'Éternel qui l'a servi, c'est l'Éternel qui bénit. Donc, il y a une vie d'action de grâce, continuellement prendre action de grâce à l'Éternel. C'est ça, Agar lui-même, il est fait. Il est continuellement à faire de gloire, parce que lorsque il est dans des respits, lorsque il est dans un problème, c'est l'Éternel qui a fait l'intervention. Il est béni. Et verset 15, Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Qui est-ce qui baille petit là, non? Selon le passage là, qui est-ce qui baille petit là, non? Qui Jean Abraham te connaît ce nom ça que l'Éternel te voulait petit là? Bien sûr, Agar a témoigné la grandeur de l'Éternel à Abraham. Est-ce que nous avec moi? Pour ça, mon Dieu fait pour Agar dans les yeux là. Agar obligé de retourner la caille. Premier bagage qu'elle fait, il raconte ni Abraham, ni Sarah. Ça l'Éternel fait pour lui. Puis c'est la fête. Et c'est, selon coutume, non, c'est papa qui va non. Et Abraham va non, puis c'est là, Ismaël, qui veut dire ça,
l'Éternel t'étend, l'Éternel t'étendit. Alors, témoignage Agar, la servante, tes servions comme une réprimande, ni pour Abraham, ni pour Madame, ni. Parce que lui dit non seulement mon Dieu t'est ouais, mais mon Dieu t'étendit. C'est en Abraham qui est en Sarah et Madame Ni qui fait que la situation arrive juste côté que lui. Est-ce que nous avons compris ça? Selon chapitre 16, commencement, passage là. Au lieu pour Abraham tenter l'Éternel, qui nous l'a tenté? Sarah. Et qu'on y a Agar, vini avec un nom pour petit ça, qui va servir comme une réprimande pour Abraham. À chaque fois que Agar cite ton petit là. Comprenez, la réprimande Abraham, du fait que Abraham n'a pas tant de l'Éternel. Ismaël dit, vous dit, l'Éternel t'étendait. Chaque fois, comprenez, Agar cité dans Ismaël, l'a songé qui ça l'Éternel lui-même, il était fait pour lui. Donc nous sommes capables de comprendre que mon Dieu utilisait obéissance à Agar pour le capable de corriger Abraham. C'est pour raison ça, premier verset, dans chapitre 17, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis l'Éternel, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois éteint. Est-ce que nous avons compris? Pour quelle raison que mon Dieu est capable de parler avec Abraham comme ça? C'est à cause du témoignage Agar. Bon Dieu servit avec Agar pour Agar retourner la caille et qu'on y a Agar pour témoigner la grandeur de l'Éternel. Et qu'on y a lorsque Abraham lui-même, libre, bon Dieu dit qu'on y a, on va pas faire des bagages encore nous. Marchez de nous et sois intègre. Pour nous terminer, Genèse chapitre 21, verset 9. À 21. Pour expliquer nous que Agar va le trouver presque dans la même situation encore. Peut-être lorsque Sarah lui-même lui tendait dans Ismaël la caille chaque jour. Selon Genèse chapitre 21, passage à fait nous connaître que Sarah mandait pour Abraham aider ni Ismaël. Ni à garder. Abraham a consulté l'Éternel. Le passage, il a pris le son, il a consulté l'Éternel. Ouais. L'Éternel dit, vous m'avez fait ça que m'a demandé de vous faire. À Kadesh. Ma prince petite là. Abraham ne dit ni à garder, ni visite à garder. Pendant qu'il y a un désir là, ça privé. L'Éternel a rencontré avec lui encore dans le désir là. Moi, je suis certain que ça n'a pas tellement cassé comparé avec Genèse chapitre 16. Because he knew what God did in the past, guess what? He's able to do it again. The same God who heard in the past, he's able to hear today. The same God who saw me in the past, he's able to see me today. Quel témoignage que l'on a fait? Même mon Dieu qui était béni dans le passé, c'est lui-même qui l'a voulu pas béni aujourd'hui. Dans quelle est votre situation pour trouver vos frères et sœurs? Dans quel est votre moment, dans quelle est votre difficulté, même lorsque Bagala paraît dur, qu'on est qui va servir mon Dieu, l'Éternel, qui toujours est. Et même lorsque tu as demandé pour retourner dans une situation difficile, qu'on est que les situations en contrôle, que grâce est de mon Dieu avec toi.